Donc on fera un seul déplacement. Hein. Donc là, on va faire les sorties complètes à chaque fois. Et ensuite, on verra le rôle de Tori. Position des mains, regardez bien. Pronation, supination. Okay. Pour cette technique. Ensuite, on contourne bien. Le contrôle, l'immobilisation, pas de souci. Première sortie, elle est complète. Voilà. Okay. Voilà. Deuxième, en fonction de la réaction du partenaire, on va enchaîner. Là, on va repousser pour passer le genou. C'est très important au niveau de la poitrine, la main gauche va repousser pour pouvoir engager. Okay. Encore une fois, c'est vrai. Regardez bien, ça c'est important. Pousse un peu ton genou là. Voilà. Parfait. Ici, voilà. Là, il va repousser avec sa main pour pouvoir engager. Ok, ensuite, troisième. Un, on passe au genou. Voilà. Et là, on refait. Bien, on refait les trois. Dans forme kata, il faut faire attention, on revient sur la 2, on arrêtera sur la 2, ok? Il faut faire attention que la porte, pour éviter que l'équipe passe le genou, soit au bon moment. Il ne faut pas, faut pas que cette porte soit fermée trop tôt. Il faut que vraiment, au moment où il va passer la jambe, la porte se ferme. Si c'est trop tôt, c'est pas possible. Donc, encore, vas-y, regardez bien. Ici, là, voilà, comment? Voilà. Ainsi, la porte, vous faites ce qu'il ne faut pas faire, ça vous faites bien d'habitude. Donc voilà, ici, voilà, si par exemple, il, voilà, ça, ça ne sert à rien. Vous voyez, il est assis, je ne vois pas, okay. Vous faites l'enchaînement des trois. Un, il passe, deux, et le troisième, voilà. On frappe, on fait deux par deux. Là, sans prendre appui sur le partenaire, on recule le petit pas, on ouvre. Là, il faut faire attention au niveau de l'ouverture. Hein. Là, si on fait trop ceci, on en déséquilibre avant. Okay. C'est simplement ça. Okay. Là, on est bien. Si on ouvre de trop, on est en déséquilibre avant. Kata katame. Attention, les positions de main changent. Là. Vous avez vu? La main droite, supination, l'autre pronation. Voilà. On verrouille bien. La première sortie, voilà. Vous avez vu ce qu'il y a de faire au niveau. Tu vas sous le ventre. Vas-y, vas-y, tu tournes. Voilà, tire. C'est bien. Il ne suffit pas de pousser comme ça. Mais pour se mettre sur le ventre, il faut remettre le coude dans la ligne du corps. Sans ça, ce n'est pas possible. Ainsi, on montre. Voilà. Ici, là, c'est possible. Mais si tu gardes le coude normal. Vas-y, voilà. Si tu gardes le coude là, ce n'est pas possible. Donc, il faut. Vas-y, tu repousses bien sur toi. Voilà. On remet dans le prolongement. Okay. Ensuite, deuxième. Voilà. Là, il va repousser le partenaire, toujours pareil, pour passer la jambe. Okay. Toujours, il reprend appui sur le partenaire pour reculer. Ensuite, et ça, cette fois, au niveau de vos élèves, il faut leur montrer les sorties. Il ne faut pas mimer les choses. Voilà. Et là, il va se décaler. Pour se retourner. Et normalement, voilà, ça c'est ça. Et normalement, Guillaume, tu vas être en une position intermédiaire pour pouvoir faire ça. Pour ça, c'est pas possible. Donc, un, deux, et là. Voilà, c'est là, il est là. Voilà. S'il fait ça, il se fait embarquer. Donc, à lui de contrôler. Bien, vous remontrez la technique complète. Voilà, donc le contrôle. Contrôle, Eric. Voilà. Ouais. Vas-y, on recommence. Montre le contrôle. Voilà. Ici, avec la main, on va chercher le pantalon. Contrôler. Voilà. Ok, la main. Attends. Voilà, le contrôle. Gauche droite. Voilà. Et on garde bien les appuis sur le tatami. Deuxième, en fonction de la réaction de Tori.
droite, la jambe, voilà. Et là, le but, c'est aller chercher. Voilà. Vous avez vu, cette main, trop souvent, on voit, cette main reste au-dessus. C'est pas possible. Il faut bien la passer en dessous pour aller chercher la jambe, pour le contrôle. Encore. Doucement. Ici, contrôlez bien. Gauche, droite, la main en dessous, là, vous voyez, regardez, ça ne faut pas faire. Je vous l'ai dit, hein. Bon ok, hein. Bon ok. Voilà. Voilà, donc, on va chercher le pantalon, gauche, droite, passe en dessous, et maintenant, regardez, stop. Avant de verrouiller, faut que je retape dessus. Non, non, ici, voilà. Maintenant, Tori va redresser le partenaire, mais le redresser, il va tirer sur le bras pour le remettre sur le dos. Parce que là, il est sur le côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer. Troisième. On répète. Voilà. Donc, en faisant ce geste, en retirant sur le bras ici avec la Eric, son avant-bras, il va. Mets-toi sur le côté, Eric. Tu tires vers le haut. Voilà. Il se crée un espace. À partir de là, il va prendre appui pour s'éloigner, pour engager les jambes ou les genoux. Okay. Ou alors, c'est une reprise, ça c'est un indicatif, ça peut être aussi une reprise d'initiative, c'est-à-dire il pousse bien son corps, il s'éloigne pour se refaire face à nos partenaires. Ça c'est au niveau des jeunes, pour bien leur montrer. Ce qu'il ne faut pas faire, ça ils vont venir le faire tout seul. Voilà. Regardez, tu es sur le côté, Eric. Voilà. Ici, tu es sur le côté, la main en dessous, Eric. Voilà. C'est de pour le corps, voilà. À partir de là, Huquet ne peut pas s'exprimer. Il faut impérativement redresser, mettre Tori sur Huquet sur le dos en tirant sur le bras. Et ça, c'est mieux. Voilà. Et là, il y a l'espace qui se crée. Maintenant, le contrôle. Sérieux. Quel petit mais normalement, les pieds, c'est bon. Encore en dessous. Ça va? C'est une nouvelle variante. Refaites les trois sorties. Contrôlez bien. Hein. Voilà. La main derrière la nuque. Là. Voilà. On va. Voilà. Et on redresse. Allez, allez, allez. Voilà. OK.